Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Si les extraterrestres fêtent le nouvel an avec moi chaque année, parce que c'est la tradition sur Terre, eux célèbrent de nombreux autres événements. Les mariages, ceux qui se marient, la nuit de la conception d'un enfant, la naissance d'un enfant, le rite de passage des jeunes à l'âge adulte, des succès sportifs ou la dernière journée d'un couple qui a décidé de partir définitivement, aidé dans ses derniers moments par leur famille rassemblée et l'intelligence artificielle qui va les aider à faire le passage. Il y a souvent des éclats de rire, de l'humour à bord des vaisseaux extraterrestres avec lesquels je communique en direct et en audio et qui me font participer à des situations de leur quotidien qui peuvent quelquefois être vraiment rocambolesques. Comme je l'ai expliqué à maintes reprises dans les 110 vidéos à votre disposition et qui sont pleines d'informations inconnues parce qu'elles ne sont pas terrestres et souvent surprenantes, parce qu'elles sont partagées directement par des extraterrestres, Zen est mon principal contact. Il faisait en 2016 partie d'un équipage de 9 vaisseaux individuels aux technologies très avancées qui eux-mêmes composent une flotte de 25 vaisseaux-mères qui mesurent entre 2 à 4 km de long et chacun abrite environ 2500 membres d'équipage. Si vous multipliez 25 vaisseaux-mères par 2500 membres d'équipage, rien que cette flotte spécifique était composée de 62 500 extraterrestres, tous venus d'une autre planète. Maintenant, multipliez cela par un minimum de 100 vaisseaux spatiaux de lignées différentes, et croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup plus, cela fait 6 250 000 extraterrestres. Si vous êtes enthousiasmé par des petites lumières qui dansent dans votre ciel nocturne, vous êtes comme des enfants qui s'extasient devant des décorations de Noël, encore loin d'imaginer la diversité des lignées extraterrestres et surtout leur nombre. Et c'est sans compter Viera, une biosphère andromédienne de type cosmopore qui ressemble un peu à ceci, cachée derrière la Lune et qui abrite 4,4 millions d'andromédiens et tous leurs hôtes d'innombrables autres lignées. Viera est presque aussi longue que la France et un tiers en largeur sur 50 km de haut, 50 km d'étage après étage après étage, 50 km de haut. Vous imaginez un peu? C'est une vraie ville lumineuse flottant dans l'espace qui contient à elle seule 4,4 millions d'andromédiens et autant d'individus de nombreux autres équipages extraterrestres. L'intérieur de la biosphère est aussi actif que New York avec des vaisseaux qui volent à l'intérieur et passent au-dessus de votre tête. Sur la ligne médiane de ce cosmoport, il y a des milliers de hangars sur toute la longueur et toute la largeur arrière qui abritent des vaisseaux individuels de chaque lignée comme celui-ci. Le vaisseau de Zen avait sa place de parking dans le hangar G. Chaque hangar fait 2 km de long sur 500 mètres de large et dans le hangar de Zen, il y avait 9 vaisseaux chasseurs individuels. Mais il y avait aussi plusieurs énormes vaisseaux qui sont pilotés et garés par des Arcturiens. La conversation que vous allez entendre maintenant a eu lieu le mercredi
7 décembre 2016. La voix n'est pas celle de Zen, mais la mienne. La conversation a commencé à 22h le soir et nous la prenons en cours. Zen est calme, mais vraiment excédé. Où diable ont-ils appris à piloter ces Arthuriens dieseliens multiplex ? Une autre tentative ratée de stationnement ? Oui, ils ont fait marche arrière pour se garer à côté du vaisseau de K et lui ont fracassé tout le côté. Ce ne sont pas de gros dégâts, mais même si les réparations se font rapidement, le vaisseau ne pourra plus voler pendant quelques jours. C'est encore une fois le mauvais caractère d'un dieselien multiplex qui a créé ce nouveau problème. Cela s'est produit à quelques mètres seulement du vaisseau S, qui est lui aussi garé juste en face, et ils ont failli l'emboutir aussi, parce que les dièses garent certains de leurs vaisseaux qui sont très volumineux dans le même hangar que nos vaisseaux individuels. Et ça me dérange qu'ils aient endommagé l'un de nos chasseurs qui est le plus important de la flotte. Ils devraient être plus prudents ou se garer ailleurs. Personnellement, je préférerais qu'ils ne se garent pas aussi près de nos 9 vaisseaux de chasse qui composent notre flotte d'attaque. Nous avons mis tous nos œufs dans le même panier. C'est comme si vous gariez 9 magnifiques voitures de course dans un garage où des routiers gardent aussi leur semi-remorque à 18 roues. Mais je ne comprends pas, Zen. J'avais l'impression que les dieseliens multiplex sont des Arthuriens d'une lignée très ancienne et sereine, gérée par des conseils d'aînés extrêmement sages. C'est exact, mais comme sur Terre, tous les individus dans une même lignée ne se ressemblent pas. Dire qu'il y a des anciens sages parmi les dieseliens multiplex suggère qu'ils le deviennent par rapport à... qui ? Les pilotes inexpérimentés qui ne savent pas piloter et démolissent tout sur leur passage ? Ce sont des gens formidables, sans aucun doute, mais vous avez dû remarquer ce qui se passe sur Terre avec certaines personnes dites spirituelles. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? Cela semble en effet contradictoire, car ils sont très avancés sur le plan technologique et spirituel. Et je ne comprends pas pourquoi ils abîment à chaque fois leurs énormes vaisseaux dans notre hangar et les nôtres par la même occasion. Ces vaisseaux sont tout simplement trop gros pour se garer ici, et le résultat est qu'ils rayent nos vaisseaux en se garant trop près, les emboutissent ou les écrasent. Les personnes spirituelles en général ont tendance à dénigrer la technologie. Ils l'ignorent car ils se sentent trop spéciaux peut-être ou trop spirituels pour la prendre en considération. Je ne veux certes pas généraliser, mais je constate que les dièses ont aussi cette attitude. Ils ont l'air de s'en foutre complètement. Ce n'était pas la première fois que cette situation se produisait. Et c'est pourquoi Zen était excédé. Quelque temps auparavant, un pilote arcturien fit entrer l'un de leurs énormes vaisseaux dans le hangar. Zen était sur un palier quelques marches au-dessus et il le vit entrer à toute vitesse. Zen éclata de rire car la hauteur du vaisseau était exactement la même que celle entre le plancher et le plafond du hangar. Ce qui fait que le pilote coinça le vaisseau entre le plafond et le plancher. Et il ne pouvait plus bouger. Les Arthuriens dieseliens multiplex sont petits. Ils ne mesurent pas plus de 1,30 m. Ils ont 3 doigts au bout de longues mains et de longs bras qui leur arrivent aux genoux. Une grosse tête de dauphin. Et ils sont de couleur turquoise, avec de larges taches violettes sur tout le corps. Ils ressemblent en quelque sorte à des petits gris, mais en couleur. Le spectacle était hilarant car le copilote descendit du vaisseau pour regarder ce qui se passait et lorsqu'il comprit que le vaisseau était bel et bien coincé, il commença à agiter ses longs bras dans les airs, très énervé, et en regardant le pilote, il cria « Non mais espèce de... ces mots haine d'humain, tu pouvais pas faire attention, non ?» Ici, C-O-N d'humain, c'est une insulte. Et Zen les regardant,
ne put réprimer ses grands éclats de rire, ce qui énerva encore plus les Arthuriens, qui solutionnèrent le problème en démontant tout le plafond pour faire ressortir leur vaisseau. Il y eut plein de moments et de situations rocambolesques de ce type. Une autre histoire qui m'a aussi beaucoup fait rire est celle de l'abattant de WC. Sur cette illustration, il est en bois et date de l'époque victorienne entre 1850 et 1900. Lorsque la flotte de Zen arriva sur Terre, la première chose qu'ils firent est de récupérer des échantillons de la faune et de la flore terrestre, et ils trouvèrent caché parmi les herbes sauvages cet objet insolite. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était, car aucune des lignées extraterrestres n'en utilise. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant de la manière dont ils gèrent leur quotidien, minute après minute, car je vais le faire à partir du 10 janvier 2023, dans 12 cours d'une heure qui auront lieu une fois par semaine, tous les mardis soirs à 20h. Sur ce calendrier, ce sont les cours du kit numéro 5, entouré de bleu. Les autres cours sont des cours de méditation. Je vous invite à me rejoindre pour découvrir les 12 races extraterrestres qui faisaient partie du Haut Conseil Andromédien. Et ces cours seront suivis par une session de questions-réponses. Ce sont des cours passionnants où vous pouvez découvrir le monde extraterrestre que personne ne connaît sur Terre et surtout ce qui se passe chez eux une fois que vous avez poussé la porte de leur maison ou de leur vaisseau. Vous trouverez ces cours dans ma boutique. Voici le lien pour que vous puissiez me rejoindre. Cliquez sur l'onglet « Cours » et la petite flèche tournée vers le bas à droite pour découvrir le contenu des cours. Puis, cliquez sur l'onglet « Inscription » et la petite flèche à droite pour vous inscrire en lisant « Consigne » si vous souhaitez offrir ce kit de cours en cadeau de Noël. Revenons donc à l'histoire de l'abattant. Cet objet considéré comme très insolite fut ramassé par un membre d'équipage de la flotte de Zen et il suscita au retour sur sa planète une très très grande curiosité. Ils l'observèrent et l'analysèrent, se creusant la cervelle pour déterminer à quoi pouvait bien servir cet objet. Conçu en deux parties, avec une sorte de couronne et une zone plate repliable, cela ressemblait, pensaient les scientifiques, à une décoration de haut niveau qui désignait un roi ou une reine. La lunette se posait sur les épaules de ces personnages importants comme un collier et l'abattant était relevé derrière la tête comme les cobras à l'arrière de la tête du Bouddha. Il désignait la sagesse et le pouvoir et l'importance d'un roi, d'une reine ou d'un personnage haut placé de certaines sociétés terriennes. Certains archéologues extraterrestres écrivirent même des livres entiers pour partager leurs découvertes et la manière dont les terriens honoraient leurs élites. Avant de clore cette présentation et de passer très vite à la suivante, j'invite tous les sponsors de Space News à assister aux deux derniers directs de l'année qui auront lieu les 11 et 18 décembre 2022 à 17h sur YouTube. Ils durent tous les deux une heure. Je vous retrouve très vite pour le troisième volet de cette série qui sera consacré aux points importants vers lesquels nous devrons orienter nos regards en 2023. En attendant, portez-vous bien, méditez et soyez heureux.